Même à l'homme de la population des territoires, victime des massacres des civils à Mkoli, Mabulemba, Kininga, Mabuku et ailleurs. À ce jour où l'Église catholique commémore les martyrs missionnaires d'Afrique, nous prions pour le repos des âmes de nos frères et sœurs victimes des récents massacres dans les villages de Mkoli, Maoussa, Kasamio, Tirilena, Mabulengwa, Mabuku, Kyangendi, Ngulu. Pour mémoire, dans un intervalle de 11 jours seulement, soit du 8 au 19 mars 2023, nous avons pu dénombrer 119 victimes innocentes tuées dans les villages précités, situés pour la plupart en chefferie des vaches, à secteur Bouliki, à secteur Rezori et à secteur de Beniba. Ils sont répartis comme suit. À date du 8 mars 2023, 48 personnes ont été tuées à Mkoli, Maoussa, Kasamio, en mouvement maléchifé et vache. Le 12 mars 2023, 3 personnes ont été tuées à Mabulengwa, groupement Bassoa-Badiwe, à secteur Beniba, 17 personnes à Kininga, groupement Bouliki, secteur Rwenzori, et 19 autres personnes à Kirinera, groupement Massikikalonge, chefferie de Bache. Le 14 mars 2023, 19 personnes ont été tuées à Mabou, groupement Mali, chefferie de Bache. Le 15 mars 2023, 3 civils ont été tués à Kyangé, groupement Issa-Kassoumé, chefferie de Bache. Le 19 mars 2023, 10 personnes ont été abattues à Mbouli, près de Kavignon, à territoire de Lévé. Pour ne citer que ceci, sans évoquer les personnes portées disparues, dont nous ne connaissons pas leur destinée. À ces 119 victimes, s'ajoute un jeune homme enlevé le jeudi 16 mars à Kiyembo, Mabouliki, à secteur Rwenzori, et dont le corps a été retrouvé sans vie le vendredi 23 mars 2023 dans la ferme de Kagaïta, à accroître les informations que nous avons reçues des tiers. L'on se souviendra que l'ennemi n'est pas à sa première forfaiture dans cette zone située entre les groupements Mali à chefferie de Bache et Bouliki à secteur Rwenzori sur la route nationale numéro 2. L'année du 15 au 16 juillet 2021, les villages de Kamuguta avaient été attaqués. 5 civils ont été tués, plusieurs autres enlevés, 2 pays et une dizaine de maisons incendiées entre 20h et 5h. Le 27 août 2021, le village de Kamuguta a été de nouveau attaqué et 19 civils ont été tués et beaucoup d'autres enlevés. La nuit du 19 au 20 octobre 2022, le village de Maboé avait également été attaqué. 7 personnes avaient été sauvagement tuées, une vingtaine de disparus, dont 10 malades et 10 gardes malades, une structure sanitaire réduite à 100 et l'autre vandalisée. C'était de 2h à 4h. Le 9 novembre 2023, les centres hospitaliers de Kabache a connu le même sort. Une cinquantaine de personnes kidnappées
et deux autres tués. Comme on peut le constater, nombreux de ces villages où s'opèrent ces dégâts sont sous le contrôle des Maïmaïs UPC qui ont été placés à Kamuguta depuis le début de l'année 2019 avec le statut de démobilisés, mais qui, jusqu'aujourd'hui, sont restés bien armés. Incapables de sécuriser la population, ils ne cessent de conquérir le village jusqu'à Kampao, près de Mangrejipa, à l'extrême ouest du territoire de l'Ubère. Partout là-bas, ils soumettent les populations aux travaux communautaires, font payer les taxes et imposent leur justice. Bref, ils s'observent une absence totale de l'État. Cette situation plonge la population dans le désarroi et l'amène à se poser multiples questions. Que garde le gouvernement à livrer ses citoyens à la merci des hommes de la loi et ainsi à abandonner une partie de ce territoire à ce qu'il qualifie de force négative? Qu'est-ce qui a présidé au choix d'une telle zone pour placer des porteurs d'armes dont la mission n'est visiblement pas la défense, moins encore la protection de la population civile? Si ce ne sont pas ces Maïmaïs qui ont tué nos compatriotes, alors le gouvernement est-il capable de nous dire qui a tué? Eu égard à ce qui précède, nous recommandons avec insistance aux instances décisionnelles de délocaliser le plus urgentement possible toutes les positions des Maïmaïs UPC dans l'état-major général est établi à Kamuguta. Enquêter sur les auteurs des crimes des civils en territoire de Bénin, en commençant par les massacres les plus récents. Identifier, arrêter et déférer devant les instances judiciaires tous les coupables. Quant à nous, population des villages et des cités, rappelons au gouvernement sa responsabilité de nous sécuriser avec nos biens. Nous avons longtemps supporté les humiliations et continuons à perdre les membres de nos familles. La patience a aussi ses limites. C'est pourquoi nous vous répétons devant votre responsabilité. Notre protection n'est pas une faveur, mais un droit. Sauf si vous estimez que notre entité ne fait plus partie de la République démocratique du Congo. Ainsi, réitérons-nous notre détermination à braver la peur afin de nous prendre la charge conformément à l'appel du chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui, lors de sa dernière adresse à la nation, a invité la jeunesse à créer des groupes de vigilance pour barrer la route à l'ennemi. Toutefois, vous serez responsable devant l'histoire face aux conséquences qui surgiront du comportement des femmes et des hommes en colère perpétuelle. Ainsi fait à Bouteo, le 24 mars 2020.